Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes dans les locaux de Centraide Centre du Québec, mais nous avons une invitée qui provient d'un autre organisme. Il s'agit de TDAH Mauricie Centre du Québec et c'est la directrice générale Karine Leroux. Bonjour. Bonjour. C'est bien directrice générale? Exact. Parce que là, des fois, il y a des directrices, des fois, il y a des coordonnatrices. Vous êtes directrice générale. Avez-vous une grosse équipe, Madame Leroux? Actuellement, on a trois intervenantes qui sont là pour desservir la totalité du territoire Mauricie Centre du Québec. C'est un très grand territoire, hein? Pour une petite équipe. Pour une petite équipe. Bon. Votre mission exactement? Ben, TDAH, bon, le trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité, c'est ce qui est indiqué dans votre raison sociale, ou en tout cas sur le site web. Mais il y a des nuances à apporter à ça, semblerait-il, maintenant. Bien, les médecins commencent à dévoiler de plus en plus que ce serait que le TDAH, le TDA serait comme mentionné autrement, c'est-à-dire le TDAH hyperactivité physique comme celle qu'on connaît, puis l'autre, ce serait TDAH avec l'hyperactivité mentale, donc ce qui causerait souvent l'effet de lunatique, les gens n'y écoutent pas parce qu'ils sont dans leur tête avec toutes leurs idées. Au niveau de la fréquence que ça arrive, ça, est-ce que les gens ont souvent les deux types d'hyperactivité ou vraiment plus une, plus l'autre? Au niveau de la fréquence, qu'est-ce qui est plus présent, là? Bien, ce qu'on voit beaucoup, c'est de l'hyperactivité physique chez les garçons. Chez les filles, c'est beaucoup mental. Les deux peuvent se démontrer, mais normalement, c'est plus un ou OK. l'autre. Puis, les enfants, nous, on dessert les adultes, par contre, mais les enfants à l'école peuvent être lunatiques, puis ils passent sous le radar, donc ils ne seront pas nécessairement suggérer aux parents de ces enfants-là d'aller consulter pour faire une évaluation pour le TDAH parce qu'il n'est pas dérangeant, il ne parle pas aux voisins, sauf qu'il écoute moins, puis ça fait que ses notes souvent sont plus basses aussi. OK. Donc ça, c'est un aspect important. Votre clientèle, à vous, ce sont les adultes. Exact. OK. Parce qu'il y avait déjà, les enfants, c'était déjà pris en charge par d'autres. Bien, jusqu'à l'année dernière, on desservait 0-100 ans personnes ayant un TDAH ainsi que les membres de l'entourage de ces personnes-là. Puis, il y avait un autre organisme là, qui s'appelle les parents partenaires qui, eux, desservent les enfants 0-17 ans avec des problématiques de maladie mentale, toutes problématiques confondues, et la fratrie et les parents de ces enfants-là. Donc, on se retrouvait un peu à dédoubler ou avoir la même clientèle pour le 0-17 ans. Donc, l'an dernier, on a eu le OK du gouvernement là, pour que nous, on se concentre que sur les adultes et que parents partenaires desservent les enfants. Puis quand eux autres ont leur bureau mère est à Trois-Rivières, ils ont un point de service à Victoriaville. Donc, quand ils viennent à Drummondville, on leur prête un bureau là, pour qu'ils reçoivent les gens et ils nous prêtent des locaux aussi pour tenir certaines de nos activités. Là, on parle de Mauricie, Centre du Québec, deux des 17 régions du Québec. Avez-vous des organismes semblables aux vôtres là, dans les autres régions? Ça existe-tu ailleurs? Bien, il y a Service Plus à Québec, bien, TDAH, Service Plus, il y a TDAH Estrie. Il y en a beaucoup qui s'appellent Panda aussi parce qu'il y a une fédération Panda, c'est l'ancienne appellation parce que nous, on est passé de Panda Drummond à Panda Mauricie Centre du Québec, ensuite à TDAH Mauricie Centre du Québec. Donc, il y en a quelques-unes, mais il faut chercher. Je ne les connais pas toutes par cœur, mais elles sont toutes recensées sur le site de la Fondation Philippe Laprise. Panda, moi je suis pas familier avec ça. Est-ce que ça aussi c'était concentré sur le TDAH ou Oui, OK. mais il y en a. Nous, on sait qu'on a changé le nom, là. OK. Et ça existe depuis combien de temps? Depuis combien de temps est-ce que il s'est ressenti le besoin de développer un organisme comme ça? Bien, ici, dans la région, l'organisme a été créé en 98. OK. Donc, ça fait quelques années déjà. Parce que j'imagine, bon, est-ce qu'il a fallu que ça devienne un diagnostic qui était présent là, dans comment on appelle ça, Le DSM. le DSM de la médecine là, sur les maladies répertoriées, tout ça. Donc, c'est venu suite à ça. C'est comme une reconnaissance de Bien, l'existence de cette au maladie-là. tout début, c'est des parents d'enfants qui avaient de l'hyperactivité surtout, qui se sont mis ensemble pour s'entraider. Puis à la suite de ça, ça s'est développé. Ils sont allés chercher du financement, des employés. Donc, c'est devenu un organisme communautaire reconnu.
Là, j'ai dit maladie, mais c'est plus une condition. Comment on Bien, démêle ça? on peut le voir de deux façons. Étant donné que ce n'est pas le même type que, mettons, la schizophrénie, trouble de personnalité limite et autres, c'est un trouble. Fait que ça fait partie du livre diagnostique des maladies mentales, mais c'est comme les gens mieux dire que c'est un peu séparé parce que c'est quand même pas une maladie. Oui, il va avoir des impacts au niveau de la famille, il va avoir des impacts au niveau du travail. Puis là, je parle des adultes, les enfants vont être Ouais. plus la scolarité, mais même les jeunes adultes, quand ils continuent de persévérer aux études, ils ont besoin de techniques aussi, puis d'outils pour avancer, puis mieux se structurer, puis c'est pour ça qu'on est là. Donc, un peu comme le TSA, les troubles sur le spectre de l'autisme, là, bon, il y a des nuances à apporter sur ce que c'est. Puis, est-ce qu'on sait un peu les causes? Parce que j'ai lu sur votre site que quoi, il y a 5% de la population qui souffre de ça. Bien, au Québec, il y a 700 000 personnes qui ont un diagnostic. Quand même. Nous, ça prend pas un diagnostic clair pour qu'ils viennent nous rencontrer. On va les aider s'ils ont des traits, des choses. Comme ça, on va pouvoir tout de suite, au lieu d'attendre, parce que c'est très, très long avoir accès à une évaluation. On donne les références parce que nous, on ne fait pas d'évaluation. On est là plus pour de l'intervention, puis du soutien, puis du partage. Mais on donne les références et souvent, ils appellent toutes les cliniques qui sont sur notre territoire, puis il y a 1, 2 ans d'attente, puis ça coûte au-dessus de 1 000 $ là, pour une personne. Aïe. Et là, je lisais aussi que, bon, il y avait une certaine proportion qui avait ça à l'adolescence qui l'avait plus à l'âge adulte. Donc, c'est quelque chose qui peut prendre moins de place à un moment donné. Ça change avec la croissance de la personne, si je comprends bien. Ça change avec les apprentissages de la personne. Tu OK. sais, une personne peut apprendre à s'autogérer, de un, parce que souvent, ça vient avec l'impulsivité ou de l'opposition. Tu sais, on dit oui, dit non, on dit blanc, dit noir. Sinon, il peut tout simplement, on dit non, puis il peut péter une coche. Je m'excuse de le dire comme ça, mais c'est quand même ça. Donc, ils apprennent à gérer ça. Tu sais, mettons, on va les aider en leur donnant bon, des techniques de respiration, à comment il peut faire lui ou elle pour calmer l'envie de tout casser ou de tout simplement partir, parce que c'est ce qu'on voit souvent au niveau de l'emploi. Mettons qu'il y a une mauvaise critique ou un commentaire constructif, mais qu'il ne prend pas bien, mais souvent, ils partent la job puis ils retournent juste pas, Ouais. étant donné aussi les problématiques au niveau de l'employabilité actuellement, là, Fait qu'une certaine instabilité là, qui peut ouais. avoir des conséquences sur la vie de la personne, puis Sur la vie de la personne, OK. la vie de couple, la vie avec les enfants aussi, parce que quelqu'un qui change d'emploi à toutes les 2, 3 semaines, ça fait une situation familiale, Ça fait financière partie de ce qui précaire. est indiqué comme des grands stress dans la vie de quelqu'un, là, un changement d'emploi. Bon. Exact. Donc, OK, mais alors le trouble reste présent, c'est juste que la personne a appris à vivre avec, si je comprends bien. Exact. Nous, on les appelle les stratégies adaptatives. On a un OK. document monté exprès pour l'expliquer. Puis, on fait toujours un tour d'horizon avec la personne. On va exposer, mettons, on a pensé à cet outil-là. Est-ce que celui-là lui conviendrait à il ou elle? Puis, si c'est le cas, bien, on va choisir celui-là. On va essayer de l'implanter. Puis, on va rester aussi pour qu'il maintienne parce que ça prend quand même 3 semaines avant qu'une routine, une habitude se développe. Mais au-delà de ça, quand il arrête, mettons, une semaine après 3 mois, mais souvent, il oublie de recommencer. Donc, on reste pour voir s'il Un suivi, continue, là, puis ouais. si on peut ajouter d'autres outils. Fait qu'on va y aller un outil à la fois. Donc, vous, c'est beaucoup les stratégies adaptatives. La médecine, par contre, médicamente cette condition-là jusqu'à un certain point, je pense. Est-ce que il y a des Bien, choses, est-ce qu'il y a des médicaments qui sont efficaces? il y en a, mais c'est personnel à chacun. Donc, La moi, réaction, les effets secondaires, ça dépend de ça. Moi, j'ai 2 enfants sur 4 qui ont été diagnostiqués, une troisième en voie de l'être, puis d'un enfant à l'autre, ça, c'est pas la même chose, les mêmes médicaments. Il y en a qui ont développé plus de stratégies adaptatives pour contrôler leur impulsivité ou autre. Puis d'autres, bien, un autre qui avait d'autres problématiques plus complémentaires, comme la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, ce qui compliquait les apprentissages, donc créait une frustration assez importante. Ce qui n'est pas vivre beaucoup de personnes qui ont le TDAH étant enfants. Puis après ça, mais adultes, s'ils ont travaillé là-dessus pour s'améliorer, ben ça va aider. C'est sûr que la dyslexie, c'est quand même plus complexe un peu, là. Mais
ça fait souvent partie du lot. Plusieurs personnes qui font de la dyslexie sont comme catégorisées TDAH, mais avec le temps, ils se rendent compte que c'est de la dyslexie. Donc, le mélange des lettres, des chiffres et tout ça fait en sorte que les apprentissages sont moins efficaces pour eux. Puis, s'ils ne sont pas capables de suivre, s'ils ne sont pas capables de lire, bien, ils ne restent pas concentrés sur la tâche non plus, ils se découragent. OK. Donc, vous avez une expérience de première main de ce que c'est. C'est dans la maison chez vous. Oui. Comment ça se vit, ça? Bien là, mes enfants sont rendus plus grands. OK. Mais quand c'était petit, c'était assez mouvementé. Ah. Donc, parce que j'ai une fille, trois garçons. Donc, oui, je sais de ce que je parle en tant que parent. Je l'ai vécu. Le père de mes enfants a su à 40 ans qu'il avait un TDAH. On l'a toujours soupçonné, mais le diagnostic est tombé à 40 ans. Il y a une part d'hérédité, hein, je pense. Pour 80 % là, ça peut jouer l'hérédité. Est-ce que c'est ça qui vous a amené à faire ce travail-là? Bien, en fait, je travaillais... Moi, j'ai une technique en commerce international, administration. J'ai un bac en administration. Puis, j'ai travaillé dans les écoles pour dépanner les écoles plus éloignées de Drummondville, donc du Rame-Sud, Lefebvre, Lavenir, ce qui est plus loin un petit peu, puis plus rural. Puis j'ai pogné la piqûre de ça, de m'occuper des enfants. Puis quand je suis retournée aux études à 32 ans, j'ai fait ma formation en éducation spécialisée, donc j'ai une deuxième technique. Puis j'ai fait des stages au CHSLD, en milieu scolaire. Puis je suis allée un petit peu visiter quelques organismes, puis l'ambiance, la façon d'accueillir les gens, c'est très typique de la personne. T'sais, ils ne sont pas obligés d'accueillir tous les clients de la même façon. Ils peuvent s'adapter selon la personnalité. Fait que ça, pour le communautaire, c'est une grande partie pour ça. Puis avec ma famille, qui était parfois plus compliqué là, au niveau de la gestion, parce que bon, je suis tombée mère monoparentale à un moment donné. Je faisais du 24-7. Donc, il fallait que j'aie aussi une certaine latitude là, pour répondre à certains besoins des enfants, mettons, qui étaient malades ou autres. Ce qui aurait été plus difficile dans une sphère autre que le communautaire pour moi. Bon. Fait, un appel du communautaire parce que le côté humain, puis ensuite, ben, le côté pratique avec la vie de famille. Mais j'ai toujours voulu aider les gens aussi. Puis depuis que j'ai 12 ans, je fais du bénévolat, puis j'en fais encore aujourd'hui, puis j'ai jamais arrêté d'en faire. Donc. Mais la formation originale pour être dans un poste de gestion, c'est parfait, ça? Bien, je me donnais 10 ans pour combiner intervention puis gestion, mais finalement, c'est arrivé dans 5 mois. OK, parce que? C'est parce que j'ai envoyé mon CV, ça a l'air au bon moment, à un organisme qui cherchait une direction. Puis avec mes formations, mais ils ont jugé que ça pouvait être très pertinent. Eh bien, puis c'était un bon moment? On était prêt à ça? Ou Bien, disons qu'en finissant l'école, j'étais allée travailler comme préposée. Puis passer de préposé à DG, la marche est haute, mais c'est un beau défi. J'ai beaucoup apprécié à ce moment-là, puis c'est valorisant aussi. C'est sûr que là, bon, justement, ça fait appel à beaucoup des connaissances que vous avez développées avec les années. Fait que ça, c'est le fun. On se réalise pleinement. Là. Ça demande plus de temps, par exemple. J'imagine être DG. Là. Un petit peu. Bon, on s'éloigne du terrain, un petit peu. Bien, je continue de garder 2-3 clients pour moi. Là. OK. Puis quand il y a un employé qui n'est pas là, mais soit je reçois les personnes qui allaient à son calendrier, soit que au moins on les change de date là, pour s'assurer qu'ils ne tombent pas entre deux chaises là, au niveau du service. Okay. Là, vous aviez eu la piqûre d'aller aider les enfants. Et oui. Là, c'est plus dans votre clientèle. Ça a dû être difficile pour vous là, de bien, perdre cette partie-là? Le premier emploi que j'occupais en tant que directrice, c'était juste avec des adultes. Okay. Puis au début, je me suis dit, ouais, les enfants, j'aime beaucoup les enfants. Tu sais, j'en ai eu 4. Puis, puis au final, mais j'ai tellement aimé ça, je me suis attachée à cette clientèle-là. Donc, je suis encore avec les adultes aujourd'hui. Qu'est-ce qui est particulier avec cette clientèle-là, là, quand vous rencontrez les gens? Qu'est-ce qui. Parce que bon, c'est des gens. C'est pas écrit dans le front là, qu'on a un TDAH. Là, donc, on côtoie tous et toutes des gens qui ont cette condition-là. Mais quand. Ben, je sais pas. J'imagine que vous envoyez une plus grande proportion chez vous que la majorité des gens. Bien, qu'est-ce qui est spécial par rapport à ça? Bien, la clientèle adulte, c'est que tu peux faire le même type d'activité, soit trouver des stratégies, tout ça. Les enfants aussi, ils vont le faire au niveau de scolaire, tu sais. La routine du matin, bon, ils établissent des choses, des programmes de récompense et tout ça. On peut un peu faire ça, tu sais, établir les routines avec les gens. Mais les enfants, il faut constamment leur rappeler, tandis que les adultes, mais il faut aller chercher leur contribution parce que s'ils refusent de le faire, bien, ça n'avancera pas non plus.
Donc, on y va vraiment juste avec les personnes qui sont volontaires pour travailler. On n'impose rien. Il faut que ça leur plaise. Il faut qu'ils soient en mesure de dire oui, ça me plaît assez que je vais continuer d'utiliser l'outil. Si ça ne leur plaît pas, ils vont juste arrêter de l'utiliser. Et les gens qui arrivent à vous sont passés par quel chemin? Là? Bon, vous dites qu'il y a une grande attente là, dans les cliniques, tout ça, et des listes d'attente pas possibles. Est-ce que c'est comme ça qu'ils aboutissent chez vous? Bien, il y en a plusieurs qui nous appellent pour qu'on fasse un diagnostic. Fait que là, on les réfère aux bonnes personnes, mais on leur parle aussi de nos services. Il y a un référencement aussi des autres organismes communautaires. Puis les CLSC aussi vont nous référer. Puis sinon, c'est souvent les recherches sur Internet. Les recherches, c'est quoi le TDAH, c'est quoi nos services. C'est sûr que le nom de l'organisme, c'est TDAH, ça va assez bien pour être référencé en premier. Exact. OK. Vous avez donné quelques exemples des services que vous donniez, bon, en accompagnement, donner des trucs référencés. On fait des rencontres individuelles. Ouais. Puis, c'est pas nécessairement à toutes les semaines. T'sais, si une personne, c'est préférable aux 2 semaines ou une fois par mois, on va suivre le rythme de la personne. Ouais. Il y a les ateliers solutions qui sont comme des mini-formations d'environ 2 heures sur des thèmes spécifiques. Comme les mécanismes de défense, mais, par exemple la procrastination, des choses comme ça. Donc, lors de remettre à demain ou à plus tard, là, les personnes TDAH sont vraiment des experts dans cette problématique-là. Puis, il y a les groupes de soutien qu'on appelle les cafés rencontres, que c'est d'amener les gens à partager entre eux, puis de se créer un réseau aussi de personnes qui vivent des choses similaires à eux. Donc, ils se sentent moins seuls, puis ils peuvent partager entre eux autres les outils qu'ils ont utilisés. Ah, ben moi, j'ai plus essayé ça. Donc, ils prennent l'outil de un, puis ils veulent l'adapter à sa couleur aussi rendue chez lui. Fait que ça, il y a des beaux partages dans ces groupes-là. Mais là, café rencontre, atelier solution, ça doit être particulièrement le fun en présence là, les uns des autres. Mais avec la taille de votre territoire, comment ça se réalise sur le terrain? Présentement, on fait une animatrice à Drummondville puis une animatrice à Trois-Rivières. Mais c'est sûr qu'on a juste comme 2 endroits, donc les gens qui restent plus loin, ils ont du chemin à faire. Mais on est tous au bureau de Drummondville. Donc nous aussi, on fait un bout du chemin en allant à Trois-Rivières. Puis sinon, les gens ont aussi la possibilité d'être connectés sur Zoom avec le groupe de Drummondville. Okay. Donc, ils peuvent se situer à la TUC et participer au groupe de Drummondville via Zoom. Puis on utilise aussi un hibou. Ça s'appelle comme ça, là. C'est comme une tour qui a une caméra 360. Okay. Puis des micros tout le tour. Donc, quand on est autour de la table, on les entend comme s'ils étaient avec nous. Sur la table. Ah. Puis ça permet aussi, le hibou fait comme une grande bande sur le Zoom où ce que tu vois tous les gens en même temps de la salle. Puis si une personne prend la parole plus, mais il va zoomer sur cette personne-là par lui-même. Fait qu'on n'a pas besoin de le contrôler. Fait que ça permet là, de mieux gérer au lieu de dire, oh, faudrait que je mette lui de l'avant. Fait que ça se fait tout seul, ce qui simplifie la gestion là, des animatrices. Si quelqu'un tousse, la personne va se faire zoomer souvent. Exactement. Ça, c'est bien. Ça fait partie des choses, peut-être, que j'imagine que vous avez ça, ça doit être assez récent. C'est peut-être toute la pandémie puis notre nouvelle agilité numérique. Quelques mois seulement, exact. C'est ça. Bon, puis on se perfectionne avec ces outils-là, puis on acquiert une agilité, là, mais c'est intéressant. Si ça donne vraiment l'illusion que la personne est présente, là, ça c'est bien ça. Puis ça lui permet aussi de voir tous ceux en salle, au lieu de les voir avec un ordinateur qui est très très loin. Ouais. T'es très très proche des personnes qui sont dans la salle. Donc, plusieurs moyens d'aider les gens. Les enjeux pour vous, là, comme organisme là, communautaire, qu'est-ce que ça peut être? Parce que c'est sûr que, bon, pénurie de main-d'œuvre, tu sais. Exact. Bon, les gens vivent pas mal tous les mêmes choses, mais particulièrement pour vous, là, qu'est-ce que... Particulièrement, c'est de se faire connaître davantage en Mauricie. Puis, tu sais, on est quand même bien connus à Drummondville parce que c'est nos bureaux qui sont ici. Puis, se faire connaître jusqu'à Plessisville, puis Bécancour, Nicolas Yamaska également. Puis, au niveau du personnel, je ne parlerai pas de rétention du personnel, si on en parle partout, mais au niveau, tu sais, on a un service pour une clientèle quand même assez nombreuse.
Puis, il manque de personnel, effectivement, pour pouvoir agrandir, donner davantage de services. Puis, il faudrait, si possible, on viserait, là, dans l'idéal, dans le monde idéal, on viserait là, six bureaux. Donc, celui de Drummondville, Maisonmère, plus cinq autres pour points de service pour être plus près de la population. Puis, pouvoir intervenir là, en face à face, c'est toujours meilleur que téléphone ou Zoom parce qu'on utilise les deux pour faire de l'intervention. Donc, mais on offre aussi d'aller rencontrer les gens. On trouve des locaux, on demande à des organismes partenaires. On a une belle collaboration avec plusieurs, mais avoir notre propre point de service, ça serait l'idéal parce qu'on serait toujours au même endroit. Il y aurait tout le temps une personne là-bas. Donc, on a des gros enjeux financiers pour pouvoir faire ça, puis donner un même service que certaines autres catégories d'organismes peuvent offrir parce qu'ils ont plusieurs. Point de service. Fait que dans un monde idéal, ça serait ça. Est-ce que vous voyez ça se réaliser, je sais pas, dans un horizon de 3 à 5 ans? Est-ce que c'est... On aimerait beaucoup, OK. mais on ne peut pas garantir rien. Les décisions finales ne nous appartiennent pas, donc OK. ça dépend de la répartition des subventions aussi. Vos principaux partenaires, est-ce que le CIUS vous donne un coup de main? Parce que c'est une question de santé, là. Oui, le PESOC du CIUS, là, le programme des organismes communautaires pour les services. Subventionne en grande partie l'organisme, s'entraide aussi. Puis on essaie d'aller chercher des sous ailleurs parce qu'on doit en rapporter aussi. Puis on commence à penser sérieusement de faire une levée de fonds plus grande là, pour essayer d'offrir le meilleur Les service. fameux revenus autonomes là, que Oui. les bailleurs de fonds aiment bien que les organismes aient dans Oui. leur mélange de... Bon, puis sinon, vous, là, est-ce que vous êtes là pour toujours? Est-ce que c'est... Il y a assez de défis? Bien, moi, je passais d'un organisme qui couvrait la MRC de Drummondville pour m'en aller dans un organisme qui couvre un très grand territoire. Je pense que c'est là le défi que je trouvais très intéressant. Donc, développer mon réseau autant jusqu'à Shawinigan, Latuc et tout ça. Fait que je passe des journées sur la route. Ça doit. C'est ça. Ça l'aide beaucoup. Ça permet de relaxer en revenant aussi, là. On se met de la musique, puis... Oui, c'est ça. Mais. En gros, c'est de s'impliquer un peu partout pour être connu aussi partout sur le territoire, pour Ben, avoir. on va faire notre petit bout là-dedans. Les auditeurs de Télécœur vont apprendre à vous connaître là, sur les territoires, bon, dans les MRC de Bécancour, Nicolet-Yamaska. Fait que déjà, on aura fait notre... On aurait mis notre petite brique dans l'édifice, là. Mais parce que, bon, la proportion de vos utilisateurs, vos usagers, c'est vraiment concentré plus comment quoi Ben. ça ressemble. Ça ressemble, je dirais, peut-être un 50 % de Drummondville présentement, puis OK. l'autre 50 % un peu éparpillé sur tout le territoire. Tandis que c'est pas Drummondville et a pas une population qui est surreprésentée en TDAH, c'est juste parce qu'ils vous connaissent, vous êtes ici, vous êtes bien implanté, On a un puis pignon sur rue, ce qui est. Tu sais, souvent, il y a des gens qui voient notre logo sur notre fenêtre. Des bureaux, puis ils rentrent, puis ils viennent nous voir. Je connaissais pas ça, qu'est-ce que vous donnez comme service, puis j'aimerais peut-être ça. Fait qu'on est connu comme ça. Je te dirais, c'est peut-être une personne sur trois qui s'adresse à nos portes ah ouais, de carrément. cette C'est le fun manière. d'avoir pignon sur rue pour ça. Oui. Okay. On parlait tantôt de l'hérédité comme une des causes possibles. Est-ce qu'on en connaît d'autres? Est-ce que c'est quelque chose qui existait avant, mais on n'avait juste pas mis de nom là-dessus, ou tu Oui. sais, souvent on dit, ah ben, dans mon temps, on disait c'est un enfant tannant ou c'est un enfant ci, ça, lunatique, justement. T'es gentil. Dans mon temps, qui est sensiblement le même que toi, les gens, ils appelaient les enfants lunatiques, effectivement, mal élevés, garrochés. C'était des termes beaucoup utilisés à l'époque. Tannant, je le voyais moins. Dans ce temps-ci, je le vois plus. Mais ouais, c'était juste qu'il n'y avait pas d'appellation comme telle, là. C'était. Donc, c'est quelque chose qui est présent peut-être de toute éternité, là, et une proportion de la population humaine qui a cette condition-là, puis... Effectivement. Mais il y a aussi les gens, des fois par un traumatisme crânien, OK. peuvent développer un TDAH parce que peut pas, ça a des impacts au niveau du cerveau. Donc, ça peut entraîner là, un diagnostic de TDAH. Est-ce que le genre de vie qu'on s'est développé, là, les nations,
disons, occidentale? Est-ce qu'il peut y avoir un facteur, là, tu sais, l'urbanisation, l'industrialisation, tout ça? Bien, je pense que c'est un peu mondial dans le sens que avant, j'ai déjà fait une formation il n'y a pas si longtemps sur les générations. Dans le temps de mes parents qui ont 70 ans, bien, ils pouvaient rester concentrés 1 h 15. Donc, les cours duraient 1 h 15. Ensuite, les générations rendues à la nôtre, c'était plus 45 minutes les périodes. Puis, les toutes nouvelles générations, là, c'est quelques minutes. Donc, ils parlent de personnes qui ont besoin de bouger. Avec l'ère de toutes les jouets électroniques, les téléphones, les jeux en ligne, c'est tout du ici, maintenant, rapidement. Tu sais, t'as pas besoin de chercher longtemps. Nous, si on voulait avoir de l'information sur quelque chose, il fallait aller dans un livre, essayer de trouver. Mais maintenant, ils tapent sur Google, puis il y a plein, plein de choses qui sortent. Donc, c'est l'instantanéité présentement. Ce qui cause aussi que quand ça dure 1 heure, écouter quelque chose, bien, les gens finissent par décrocher. À moins que le film soit vraiment bon, là, mais le conférencier, mais c'est. Quand on est rendu avec des TikTok de 15 secondes, là, t'sais, nous autres, bon, génération musique plus, là, t'sais, vidéoclip 3-4 minutes, mais maintenant, ben, c'est ça, c'est les stimuli sont très, très nombreux. Les appareils mobiles, t'sais, ça, quelqu'un qui a de la misère à se concentrer, avoir des trucs qui pop sans arrêt, là, des notifications, ça doit pas aider bien, bien. Mais on va utiliser beaucoup les téléphones des gens pour les organiser. Tu sais, mettons, tu as une période de jeu de telle heure à telle heure, mais que tu travailles de telle autre heure, faut que tu te prépares. Fait qu'on va camper des choses avec des sonneries beaucoup parce que de toute façon, ils ont le téléphone dans les mains. Donc, Autant s'en servir c'est ça. à bon escient. Exact. Bon. Puis, alors ça fait partie justement des stratégies adaptatives dont vous parliez, là. Oui, mais il reste encore des gens qui n'ont pas de téléphone sur. C'est un petit peu surprenant, mais Ça fait pas longtemps que j'en ai un, personnellement. fait qu'on les utilise beaucoup, soit les téléphones ou on leur remet des documents à papier là, pour lesquels ils peuvent soit cocher des choses qu'ils ont à faire, comme établir une routine de semaine. Telle journée, il y a le balai, telle autre journée, c'est vider les poubelles ou des choses comme ça. Puis ils se rendent compte qu'à la fin de la semaine, ils n'ont moins. Au lieu de faire 2, 3 heures de ménage pour rendre l'appartement propre, mais peut-être qu'un petit 10-15 minutes par-ci, par-là, faire en sorte que le gros du ménage se tient tout le temps fait. Bien, on en sait plus maintenant sur TDAH, Mauricie Centre du Québec, grâce à Karine Leroux, qui est la directrice générale. Et puis, on va vous souhaiter, vous avez une vision pour votre organisme, on va souhaiter qu'elle se réalise. Alors, la meilleure des chances pour vous. Merci beaucoup.